Yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et donc aujourd'hui les gars, on va tester le nouvel objet qui est sorti. Donc c'est le snowboard, donc c'est un objet qui devait déjà sortir depuis pas mal de temps. Donc on va tester tout ça ensemble, on va aller au niveau de Loot Lake. J'avais voulu le tester au niveau du mode créatif, sauf qu'il y a un petit bug, c'est que le jeu en fait il crash dès qu'on l'utilise. Donc à mon avis il doit y avoir un petit souci sur le jeu. Mais c'est pas trop grave, j'ai regardé en mode terrain de jeu, j'ai pu voir qu'ils étaient présents. Donc comme ça je vais vous montrer. Alors après je sais pas si les spawns du mode terrain de jeu ça sera les mêmes que les vrais spawns dans les vrais modes de jeu. Je pourrais pas vous dire. Mais je sais qu'en tout cas au niveau de Loot Lake il y en a. Donc on va tester tout ça ensemble, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et voir bien sûr si c'est utile. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une arme en même temps, parce que j'ai pas fait le test. Si on peut tirer, enfin on va surtout tester ça ensemble. Donc j'ai pas vraiment fait de test ou quoi que ce soit, donc comme ça on pourra découvrir. Donc comme vous pouvez voir ça ressemble à ça. Donc il y en a 4 ici hein, si vous voulez. Ok, alors. Ok, donc on avance avec nos touches de base en fait. Alors attendez, accélérer, mâche gauche. D'accord. Ça dure pas longtemps par contre la turbo. Ah ouais, en fait vous avez... D'accord, ok. Vous voyez qu'il y a une petite jauge qui est présente en fait juste en bas. Un peu comme les quads en fait. Par contre la jauge de Nitro est vraiment très rapide. Hein. Après c'est vrai que ça va assez vite ça. Et on peut sauter avec ça. Est-ce qu'on peut sauter super haut? Maintenir. Là si je reste plus longtemps à maintenir... Ah ouais, je fais des sauts un petit peu plus haut. Est-ce qu'on peut faire des figures? Ah bon, on peut faire des backflips. Ok. Interagir, c'est quoi ça? Ah, c'est pour descendre à mon avis. Et vous voyez aussi que, regardez, la planche a pris la couleur de mon camouflage d'arme en fait. Donc en gros, si vous changez de camouflage, votre planche aura pas la même couleur que moi. Mais c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut construire? J'ai pas de construit après, je peux pas vraiment tester. Bon, en tout cas, ça avait pas affiché le truc des construits. Alors attendez, bon, on peut pas construire. On peut pas construire, donc déjà c'est un bon point positif parce que ça serait cheaté. Par contre je crois qu'on peut... Ah bon, on peut tirer. On peut même viser. Ok, on peut tirer, on peut sortir la pioche, on peut taper à la pioche. Bon, en gros on peut tout faire sauf construire. Logiquement ça je dois pouvoir tirer dessus. Enfin le casser. Ouais, je peux le faire, ok. Est-ce qu'il y a des figures à faire? Ça je sais pas du tout. Ça a l'air d'être assez technique quand même. C'est plus compliqué je trouve que le quad. Après, je pense qu'il faut s'habituer un peu. Parce que, ouais, il y a moyen quand même de faire des trucs vraiment cool. Ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Je sais même pas ce que je fais. Mais franchement, c'est pas mal. Ça sera surtout un objet qui sera principalement utile pour pouvoir se replacer dans la zone, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Mais pour le coup, ouais, c'est vachement sympathique, ce petit truc-là. C'est vraiment sympathique. Vous voyez, il y a moyen de faire des bons petits trucs. Après, je vous avoue, je connais pas. Je sais pas s'ils ont réglé des touches spécifiques en plus. Mais j'ai pas l'impression. Hein. Dès que vous sautez, ça fait des trucs un peu n'importe comment. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Bon, bah du coup, les gars, je pense que j'ai à peu près fait le tour hein, sur ce que je voulais vous montrer sur ce nouveau snowboard. C'est vrai qu'il y a pas grand-chose à ajouter. Mais vous voyez que c'est quand même un truc vraiment sympa. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Et du coup, dès que je monte dessus, j'ai le petit camouflage d'armes que je possède. Donc, celui du nouvel an. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt sympathique. Bon bah du coup les gars, j'espère que cette petite vidéo test sur ce nouveau snowboard eh bien vous aura plu. N'hésitez pas les gars en tout cas à mettre un petit pouce bleu. Et puis comme toujours je vous le rappelle, si vous le souhaitez, vous pouvez donc me soutenir dans la boutique. Et je vous le rappelle encore une fois, je crois que c'est la dernière semaine de la période Saint-Valentin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer encore une fois un camouflage. Enfin du moins si vous ne l'avez pas encore récupéré. Vous avez un camouflage à récupérer donc si vous utilisez un code créateur. Donc par exemple le mien qui est donc Evosion-Freezer. Que vous avez dû voir depuis le début, bah vous pourrez tout simplement l'utiliser pour le mettre à la place de cette planche. Donc c'est un camouflage tout rose pour ceux qui ne l'ont pas encore récupéré. Donc n'hésitez pas à le faire hein, si vous ne l'avez pas fait, c'est gratuit. Et comme ça vous récupérez un petit camouflage gratuit. Du coup bah les gars, merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc petite vidéo test sur le snowboard. N'hésitez pas en tout cas aussi à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment sympa. Je pense que ça permettra un petit peu de se replacer dans la zone. Et puis pour pouvoir se déplacer plus rapidement, je pense que ça peut être utile. Sur ce les gars, donc je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Et salut tout le monde.